Monsieur Gosselin, la parole est maintenant à Madame Laurence Wisniewski pour le groupe MoDem. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, je crois que mon ancienne vie, très proche, va influencer la nature de mon propos. Je le sais, rien n'est tout noir d'un côté, à ma gauche, ou tout blanc de l'autre, à ma droite. La symbolique de la fonction que j'exerçais, c'était l'équilibre, la balance, et je souhaite, étant restée taisante parce que je souhaitais aussi poursuivre mon apprentissage, vous livrer une explication de vote équilibrée et distanciée. Si les textes que nous venons d'examiner, à des rythmes très contrastés, concrétisent une promesse du président de la République soucieux de répondre rapidement aux exigences légitimes des Français s'agissant de la probité de leurs responsables politiques, dont certains, une minorité, ont dû ou doivent rendre des comptes à la justice pénale, je souhaite, m'exprimant au nom du MoDem, rendre hommage à François Bayrou, inspirateur et premier rédacteur de ces projets de loi au nom du gouvernement. Je veux aussi remercier Madame la Garde des Sceaux pour avoir porté et défendu ces textes devant notre Assemblée avec rigueur, élégance et patience. Ces projets de loi ont été enrichis par les débats parlementaires au Sénat, comme au sein de notre hémicycle. Au terme de ces échanges, qui auraient sans doute mérité d'être plus rigoureux, mieux traduits et plus cadrés, sans pour autant qu'ils soient portés atteinte à l'expression politique de chacun, chacune d'entre nous, nous sommes parvenus à élaborer de bons textes. Ils contiennent des dispositions majeures qui répondent largement aux objectifs que nous poursuivons. Plus de transparence, plus de contrôle et de garde-fous pour l'exercice de leurs fonctions par les responsables politiques, et ce de manière à regagner la confiance de nos concitoyens. Pour ne citer que les plus emblématiques, la suppression de la réserve parlementaire, la justification et le contrôle de nos frais de mandat, l'interdiction des emplois familiaux, la nécessaire probité des élus avec une liste conséquente d'infractions entraînant l'inéligibilité, la prévention des conflits d'intérêts, la création d'une banque de la démocratie. Mes chers collègues, ces textes nous protègent. Ils nous protègent de nos dérives possibles, de celles de nos collaborateurs et de celles des membres du gouvernement. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas exhaustifs non plus. Et oui, nous avons quelques regrets. Le verrou de Bercy, dont l'aménagement et non la suppression, avait recueilli le soutien de la grande majorité des groupes politiques, du Sénat et de l'Assemblée. La non-inclusion peu compréhensible des détournements de fonds privés, escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux, dans la liste des infractions entraînant l'inéligibilité. Enfin, le rejet d'une meilleure définition des partis politiques, de manière à éviter un financement public abusif. Mais nous avons aussi pris acte de la création d'une mission d'information sur le verrou fiscal. Et je remercie Madame la Présidente et rapporteure de la Commission des lois pour cette initiative sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Nous savons que la confiance ne se décrète pas, nous le savons tous, et qu'elle nécessite un changement culturel, qu'il nous faudra du temps pour la rétablir. Mais nous n'avons pas le choix, mes chers collègues, nous devons relever ce défi. Et si nous prenons un peu de recul, ces textes vont dans la bonne direction. C'est une première étape. Il y en aura d'autres. Notre groupe MoDem et apparenté les votera avec conviction. Merci, Madame.